cette fois-ci, le souvenir Jean Loriot à faire valoir avantage, pas de problème avec l'un des coureurs de la formation de Malcolm Elliott qui est sur l'ouverture. Passage pour les autres coureurs, là aussi à 6 tours de l'arrivée, 6 tours de l'arrivée avec d'autres représentants de la formation, que ce soit notamment la formation d'un poste avec sur l'ouverture, on avait le coureur de Kurt Bogert qui assure un travail depuis superbe. C'était venant en fait de qui était sur la commande. Félicitations toujours à notamment les représentants des formations belges et notamment avec un certain Kevin Powell qui a été à 2 reprises champion du monde en matière de cyclocross. Les représentants cette fois-ci de la formation de Roger Théin, passage, je rappelle à l'ensemble des coureurs, du moins le passage qui se tenait ici à Zubiscar, un autre coureur espagnol avec à ses côtés également le porteur du dossard numéro 54, Frédéric Vertigorel, le coureur belge, Saint-Émal, vous pouvez les applaudir. L'effort qui s'avère des plus superbes, la bagarre qui dommage avec le passage, c'était le cas notamment avec Piotr Habik, des apprêts de coureurs japonais, Katsuhiro Mori qui sera dans les sillages du coureur brestois aux côtés également du coureur norvégien, le passage, ça va se tenir ici à 5 tours de l'arrivée dernière. D'autres coureurs qui voudraient bien entendu effectuer la jonction à l'image notamment des représentants de la formation de Paris Barentin avec Olejnik qui était sur le relais au niveau de ce trio. Toujours au niveau de la contre-attaque, le maillot rose avec une bagarre de tous les instants puisque Alexis Guérin qui vient de placer une attaque. Il conviendra de savoir où se trouve également le maillot blanc, le passage. Je vais dire l'information qui se trouve ici à 5 tours de l'arrivée. 5 tours de l'arrivée avec Jean-Luc Péatache qui était collé au sein de ce peloton. C'était le cas également de Yann Potel qui était tout à l'heure au sol du point des propres attaquants. Joël Le Goff avec le passage de la course. Et voilà, nouvel écart de 34 secondes, et ça diminue une nouvelle fois, 23 secondes. 23 secondes, du moins pour les 9 coureurs que l'on peut voilà, citer bien, avec bien. David Chopin, tout comme également. Avec le niveau de la contre-attaque, la forme de la carte sur lequel on restera vigilant, le numéro qui était sur les avant-postes. Je reste attentif, toujours pour le passage au niveau du maillot blanc avec sur le nouveau passage. On va attendre du moins les uns les autres. Jean-Luc Elfèche, c'était le cas également des coureurs de la formation, des coureurs forts Marie Morin, tout comme également avec Roland Polizac. La sélection des États-Unis d'Amérique, nous avons également du pour cela et sur le 3 tours de l'arrivée avec sur l'ouverture, ce sera le à l'occasion du Grand Prix de la Ville 2. Il a été le champion de Normandie, il a été le lauréat également sur le Grand Prix de Blangy, le passage pour les uns et les autres, ici à trois tours messieurs, de l'arrivée. Dès à présent aux abords de ce podium, trophée Joël Le Goff, le dernier écart qui était seulement de 15 à 18 secondes. Toujours est-il, c'est revenu également avec le maillot blanc qui est présent sur les avant-postes. Au côté également du maillot vert avec une bagarre de tous les instants. Le passage, vous pouvez les applaudir avec cette fois-ci à 2 tours de l'arrivée. Nous sommes également avec les
En revanche, ça devient délicat, que ce soit notamment pour Roland Polizac, Mathieu Alléguin, qui ont peut-être déjà beaucoup travaillé, Douglas Dewey, l'ancien champion de Grande-Bretagne des espoirs en matière de contre-la-montre, celui qui avait remporté le classement général sur la Flèche d'Armor, qui avait remporté également l'ouverture de la saison, l'étoile de Tressilio éteinte sur le Tour de l'Estomac, autre passage. Celui qui a été le lauréat sur le Grand Prix Plongée, qui avait remporté également à la frontière de la Normandie, de la Picardie, le Grand Prix de la Ville 2. Voilà, c'est aujourd'hui pas mal. Ouais. Et celui qui a gagné On pourra saluer que ce soit les autres coureurs et notamment les Japonais pour l'arrivée. Félicitations. Merci. Notre Majesté du Comité d'organisation, la deuxième dauphine, je vous en prie, des Grace-Frays, c'est une Rennaise. Merci à elle, Héloïse Nebel, qui est d'origine, c'est bel et bien la région Rennes, je ne trompe pas parce que nous sommes nombreux sur les podiums, aux côtés de notre Président du Comité d'organisation, à la Valère. De nouveaux applaudissements, s'il vous plaît, destinés à celui qui a effectué le centre de personnel de midi, Pierre Vanderweis, qui avait remporté une victoire d'étape dans le Tour de Gironde, qui a remporté des victoires du côté de l'Allemagne. Deuxième étape sur l'Olympia Tour, il avait excellé également à Fleur de Hutte. Ah, mais, hein, c'est en foule, hein. On va se retrouver, on n'a pas rentré sur le podium. Sur la route de l'Isère, deuxième également sur le Tour de Madrid.
Il avait été le troisième du championnat d'Espagne à des espoirs sur la saison 2012. Penny, s'il vous plaît. Penny, nous sommes là pour l'accueil sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Le champion néerlandais, l'équipe Poem, Mike Bertrand. La remise, je t'en prie, Guy Le Foll, qui est invité sur le podium. Mon cher Guy. Remise du trophée, c'est donc, puisqu'ils sont nombreux, c'est le trophée Jean Mario, merci. Champion du monde de poursuite, vous pouvez applaudir une nouvelle fois Hachem Rogers. Pour celui qui a été le deuxième sur le Tour de Bretagne, qui avait remporté le classement général sur le Tour de Gironde. Il a remporté également le Grand Prix de Rosenthal avec la donation. Pas de problème puisque nous sommes avec l'un des grands serviteurs du cyclisme en Bretagne, Michel Gorgeau, Idéal Auto, et véhicule Skoda, bien connu dans la région de Dinan, de Saint-Malo. Monsieur le maire également qui nous a rejoint, on salue pour cela, monsieur Jean-Paul Bouedec, merci à lui. Au côté, puisque nous sommes avec monsieur Alain Roland, merci aux adjoints également de l'Astora. Et visiblement, on se retrouve sur le podium avec notre majesté, je vous en prie, de faire la remise de ce maillot au coureur qui a remporté le classement général, qui a remporté également, je disais cette année, le Grand Prix de Rosenthal, pris en vainqueur également l'an passé sur le Tour de Gironde. De nouveaux applaudissements, en guise de son talent, s'il vous plaît. Il nous restera à d'autres maillots distinctifs. Ce sera le Rochette Rose pour le classement du meilleur espoir. Et puis, s'il te plaît, au côté, bien évidemment, donc, des autres partenaires, puisque l'on salue après le Félix-Mutuel, Pierre Montalain, pour le classement distinctif avec M. Martin Prézot, qui nous a apporté son soutien tout au long de cette organisation. On a salué également M. le maire de Pierre, le conseil général, le Rostrona, M. Je vous en prie pour la remise du mois de ce maillot pour le classement des espoirs. Merci de l'applaudir une nouvelle fois, s'il vous plaît. Merci. Au côté de l'actionnaire, au côté également de notre partenaire, nous sommes tous sur le modèle de l'animation. On va placer notre monde, je vous en prie. Voilà, on y va les gars. Allez, oh, oh. Pour la photo, je pense qu'on est allé avec monsieur le maire. Allez, s'il vous plaît, on va se faire un passage. Mesdames et messieurs, avec tous les spectateurs, une nouvelle fois, on va vous mettre à contribution.
applaudissements, s'il vous plaît.